Comme seul Canal Plus peut vous en proposer. Trois chocs de Ligue 1, deux sommets du top 14, un Grand Prix de Formule 1. 3, 2, 1, 0. Oui, 0 comme zéro certitude. Sur le nom, on est qualifié pour les phases finales du top 14. C'est absolument incroyablement serré. Et comme on vous l'a dit et répété, alors que M. Romain Poit, l'arbitre international, sera au sifflet ce soir. Le Stade Toulousain n'est ce soir que 8ème. Hop, passion, pilou-pilou résonne dans le stade Vélodrome. Avec nos femmes des chevelettes, nos enfants des grands coachs blancs. Tous les terribles gars du pilou-pilou vous sont trop terribles que les gars. J'ai dit terribles que les gars. Parce que ...40 000 spectateurs dans le stade Vélodrome de Marseille pour le coup d'envoi de ce match, frappé très fortement par Frédéric Michalak, le rebond juste devant l'embut toulousain, et aussi Aguirre qui aplatit pour le renvoi au 22. Philippe Fleiss, bonsoir. Bonsoir. Magnifique ce stade Vélodrome. Quelles sont les conditions au ras de la pelouse? Oui, bonsoir messieurs, c'est vrai que c'est un stade impressionnant avec cette énorme tribune latérale qui protège heureusement du vent. Il y a beaucoup de vent sur Marseille ce soir, mais les joueurs sont protégés. Tout de même, le vent sera en faveur des Toulonnais durant cette première période, si bien que le coup de pied de Frédéric Michalak est bien sorti, et c'est une mêlée au centre du terrain en faveur des Toulousains. Exactement. Première mêlée du match, on va être directement dans le feu de l'action. De la patience, messieurs, de la patience. Avec le micro. Ouais, take the left. Sur Monsieur Poit. Flexion. Lié. Je. Belle poussée des Toulonnais. Départ de Picamole. Picamole qui essaie de rafuter Thius Bord et qui avance dans le camp toulonnais. Qui avance même franchement, en passant même la ligne des 40. Sur le côté fermé, cette action toulousaine avec Kera, le Fidjien brillant la semaine dernière contre le Stade français. Doucin pour le premier ballon donc de Yannick Nianga, le flanqueur toulousain. Passoir Hermitage au contest qui va récupérer le ballon peut-être. Pénalité. Il va récupérer une pénalité en tout cas. Et c'est le problème avec Stéphane Hermitage. Si les soutiens manquent de réactivité et d'efficacité pour le sortir, 9 fois sur 10, il va mettre les mains sur le ballon et soit le récupérer, soit obtenir une pénalité. Monsieur le du stade Vélodrome, pardon Philippe, hein, qui a évidemment suivi sur Canal cet après-midi le match des locataires habituels ici, l'Olympique de Marseille, qui a arraché in extremis le match nul à Sochaux. De quoi redonner un petit peu de morale aux supporters marseillais. Alors qu'on revoit le contest gagnant ici, alors qu'on avait vu un beau départ d'action avec une charge terrible ici de Picamole qui avait emmené avec lui 4 ou 5 Toulonnais. Alors, il y a des déchets dans la conquête des deux équipes le week-end dernier. Par exemple, les Toulonnais n'arrivent pas à assurer leur premier lancer. Récupération toulousaine avec Picamole. Doucin. Jeu au pied. Oh. Mitchell. Pour Dylan Hermitage, peut-être un premier ballon exploité par les Toulonnais, c'est le jeu au pied d'Hermitage qui trouve son vis-à-vis Johan Huger, qui aussitôt va occuper, il a bien vu, il n'y a personne dans cet angle-là, et Huger trouve pas la touche, puisque le rebond est favorable à Mitchell, et l'Australien va dégager dans les bras de Picamon.
Attention, il s'est lancé, Louis Picamol. Et du coup, il réussit à trouver Tekori, échappé de nouveau de Josefa Tekori, plaqué par Tiusbord. Le ballon est pour les Toulousains avec la feinte de Doucin qui a réussi à donner à Boxis avec Fritz maintenant. Fritz qui va attaquer la ligne, qui a vu un espace, il est plaqué par Mathieu Bastaro. Le ballon est toujours toulousain. Doucin, Johnstone, cisaillé par Smith, pas d'en avant. Steenkamp. Va-t-on avoir le même style de match que la semaine dernière au Stade de France ou que cet après-midi à Jean-Bouin où il y a aussi eu un gros volume de jeu. Doucin qui trébuche. En tout cas, ça part fort. Ça part encore sur des bases internationales. Vincent Clerc en position de demi-mêlée. Ce sera une chandelle montée par Lionel Boxis très très haut dans le ciel du stade Vélodrome. Et dessous et dessous, il est dévié par Rugger dans le camp toulousain. C'est bien fait avec Tolofu a fait pour récupérer ce ballon. Tekori pour Guir. Océa Guir qui échappe au plaquage de la défense toulonnaise, celui de Mitchell. Et voici les Toulousains à une quinzaine de mètres de l'embut de Toulon. Jouez le ballon ! Fritz s'engage encore. Fritz dynamique en ce début de match avec Doucin. Premier Fritz. Essai du match aplati par les Toulousains entre les poteaux. Signé Jean-Marc Doucin. Quelle entame de match du stade toulousain. Après une énorme séquence de jeu, hein, beaucoup de mouvements, des séquences de percussion. Hein, Florian Fritz au départ et à la conclusion de l'action. Regardez le jeu debout de Tolofua, le relais de Tekori. Guir qui va naviguer, fixer quelques Toulonnais, libérer ensuite au sol. Et sur le renversement, Fritz qui va choisir de garder. Et là, regardez la passe au contact pour libérer Doucin dans l'intervalle qui n'a plus qu'à marquer. Et messieurs, Yannick Nyanga est en train de se faire soigner. La cheville est droite, mais il va retrouver sa place sans problème, le capitaine toulousain. Et le stade toulousain qui mène ici au stade Vélodrome 7-0. Toulouse frappe d'entrée et prend le tableau d'affichage en ce début de match. Avec ici à la superloupe les images de Laurent Dôme et de nos équipes, la belle attitude de Florian Fritz, très actif en ce début de match. Récupération du ballon immédiatement par les Toulonnais avec Mermoz qui essaye de contourner la défense toulousaine. Il est pris. Tiusbord. Michalak, retour intérieur approximatif. Et les Toulonnais sous pression. Avantage terminé. C'est une situation d'avantage pour les Toulonnais qui vient de se terminer. Donc toujours l'initiative du jeu. C'est annoncé. Stéphane Armitage pour Dani Rousseau. Feinte de passe du géant sud-africain plaqué. Fernandez Lobé, Tiusbord sur le fermé avec Carleman, bien plaqué par Nyanga. Toulonnais qui ont du mal à trouver l'avancée. L'avantage en cours. Ouais, ils avancent justement avec évidemment Mathieu Bastaro. Et Monsieur Poit va accorder cette pénalité. Vous avez encore votre main sur le ballon, il faut sortir plus tôt, plaqueur noir. Problème de sortie des zones de libération du ballon d'un Toulousain. 6, on lâche plus tôt, ok. Regardez la charge de Bastaro ici. Là, on est sur l'avantage. La pénalité a déjà été vue par Monsieur Poit. Ça ne profite pas. On revient donc à la faute. Alors que l'on voit l'action décisive, là, le passage après contact de Fritz pour Doucin sur le premier essai du stade toulousain. Alors que donc les Toulonnais vont tenter cette pénalité. Rafale de vent que vous entendez peut-être dans nos micros, que l'on ressent moins au ras de la pelouse. Michalak va-t-il avoir puissance et direction? Eh bien oui, ça passe. Frédéric Michalak, l'ancien Toulousain, a eu le score. Toulon n'est plus mené que 7-3. Et on a le temps pour glisser une petite palette, Thomas Lombard. Oui, une petite palette tout à l'heure sur un choix de jeu. Regardez, récupération des Toulonnais et arbitrage qui va choisir le pied alors qu'il avait une situation de surnombre qu'il aurait peut-être pu exploiter avec un 4 contre 2. Privilégie l'occupation territoriale, semble-t-il, en début de match. Bon timing, on n'a pas raté la remise en jeu de Lionel Boxis. Bien tapé, bien dosé pour Kera. C'est bien fait de la part des Toulousains avec Nyanga. Et là, une perte de balle sur un contact et une exploitation immédiate du ballon sur les extérieurs par les Toulonnais avec Drew Mitchell qui est venu s'empaler là sur Guia. Tiusbord, Michalak à la baguette. C'est le ballon qui traîne Michalak, Fernandez Lobé et l'intelligence du troisième ligne
argentin qui préfère jouer au pied et qui resserre Johan Hugé. Johan Hugé, il y a beaucoup de Toulousains devant lui. Il y a Suta qui le cherche, il passe à Johnston qui est plaqué, qui réussit à donner Kera, Steenkamp, les Toulousains comme au Stade Français la semaine dernière, cherche à donner beaucoup de rythme, du volume au jeu en ce début de match. Doucin, Nyanga. Oxys, David, David va attaquer la ligne. Il est plaqué par Rousseau et par la libération. Armitage, Doucin, sauté Fritz, Fritz pour UG. C'est bien fait, le petit coup de pied à suivre de UG qui ne va pas surprendre Michalak qui aussitôt va jouer au pied dans le dos de Boxis et dans le camp toulousain. Ballon un peu poussé par le vent. Le coup d'œil de Boxis, il peut prendre son temps pour dégager. Il va pas trouver la touche. Non. Contrôle à la Marseillaise de Dylan Armitage. Petite indication. Et sur les extérieurs, attention au crochet de Smith. Smith pour Mitchell. Cisaillé par Nyanga. Le ballon est toujours pour les Toulonnais. Ça n'arrête pas hein, depuis le début du match. La percussion du talonneur sud-africain, Burden. Conteste. Ça compte pour relâcher. Et les Toulonnais sont à la faute. Le 3 conteste légalement. Conteste dans la règle de Saint-Suit Johnson. Ballon ratissé et ramené au sol par un Toulonnais. Pénalité sifflée par M. Poit. Eh bien, bon début de match. Un essai déjà en moins de 10 minutes inscrit par les Toulousains. Toulouse hein, qui avait donc décroché ce match nul 27-27 au Stade de France. Qui va pas trouver la touche là sur cette pénalité. La semaine dernière, à l'issue d'un des vraiment plus beaux matchs depuis le début de ce championnat. Picamole. Et regardez, les Toulousains jouent tous les ballons en ce début de match comme s'ils voulaient faire galoper les Toulonnais. Boxis. Thiusbourne va laisser le soin à Michalak de jouer ce ballon au pied. On reste rouge, stop, 6. Picamole en garde des deux côtés. Le ballon dans l'air de jeu, sans doute parce que la conquête en touche n'est pas le point fort des deux équipes en ce moment. Picamole plaqué par Fernandez Lobé. Miloszewski. Boxis pour Tekori. Percussion hein, de Tekori sur Dany Rousseau. Tekori qui avait battu Toulon en finale du championnat avec Castres. Sur l'extérieur. Kera qui échappe, qui a réussi à donner après le plaquage. Johnson, oh, le cadrage de Johnson pour servir Picamole qui essaye de déborder. Fernandez Lobé, il a mis un pied en touche. Beau début de match, hein, beaucoup d'alternance. On voit des Toulousains qui arrivent à avancer un peu sur les impacts, qui jouent debout, donc ça favorise leur disposition offensive. Toulon qui est plus dans la recherche de l'avancée, qui vient se heurter pour le moment à une défense de Toulouse qui tient le choc, mais c'est parti très fort. Toulousain qui a décidé de faire l'aller-retour dans la journée pour être vite rentré chez eux, préparer leur déplacement au Munster. Non, c'est Burden, il a été piégé tout à l'heure. Cette fois, la conquête n'est pas encore propre et c'est encore un ballon récupéré par les Toulousains avec Tolofua. Deuxième ballon perdu hein, par les Toulonnais sur leur lancer. Sur deux lancers. C'est perdu, 8 Doucin avec Lionel Boxis. Croise avec Yann David. Le relais dans l'axe de Kera. Tolofua. Vincent Clair cherche à s'infiltrer. Il est plaqué par les Toulonnais qui récupèrent le ballon avec Maxime Mermoz. Aussitôt ceinturé. Et pour l'instant, c'est Toulouse qui joue dans le camp de Toulon. Fernandez Lobé, Mathieu Bastaro, le rebond, le piège. Et Michalak ne va pas avoir d'autre solution que de dégager ce ballon au pied. Elle est rentrée dans les 22. Et Monsieur Poit va siffler. Ben voilà, une touche directe. Ça va faire une bonne munition pour les Toulousains dans attention, les 22. Attention, attention, c'est non. Il y a des joueurs des parts et d'autres. On va faire une touche normale. Il faut avoir l'œil dans ce genre de match. Ouais, rien lâcher. Comme le vent qui est en train légèrement de tourner, c'est la remarque que faisait à l'instant Jean-Baptiste Elissalde. Regardez la statistique des plaquages manqués hein, par les Toulonnais. 33%, 10 plaquages manqués sur 30. Bonne prise de balle de Nyanga avec Picamole qui se détache de ce môle pour charger. Doucet gêné, mais il y a une faute toulousaine qui va offrir cette pénalité aux Toulonnais. Sur le côté. Problème d'entrée pour venir déblayer hein, de Tolofua qui vient sur le côté, qui est logiquement sanctionné par Monsieur Poit. Oui.
D'accord, on regarde. Ça vient du bas ou à l'air? Et public du Vélodrome se réveille. Alors majorité supporters toulonnais bien évidemment, qui voient que leur équipe a un peu de mal en ce début de match face à la puissance des Toulousains, à l'image de ce contact Tecori Rousseau à l'avantage du Samoan sur le Sud-Africain. Ouais, ça frappe fort hein, sur les duels homme contre homme. Alignement complet. Alors vont-ils régler la mire, lanceur, sauteur toulonnais, oui, avec Suta. Picamol qui essaie de perturber c'est bon. Le porté toulonnais. Thius Bourg qui lance, passe à Rokobi, le ballon en route. Fritz n'a pas réussi à s'en saisir et ce sera une mêlée en faveur du Stade Toulouse. Se détache du premier bloc qui peut intervenir, ça se détache du premier bloc au deuxième bloc. Oui, la première. J'ai regardé avec la caméra arbitre le choix de jeu qui était le bon avec Bastaro qui se présentait avec une course rectiligne à hauteur. Malheureusement, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Section. Lié. Une mêlée toulousaine cette fois qui avance, qui emporte la Toulouse. Mêlée toulonnaise avec avantage en cours et Picamol s'en détache pour charger, réussir à transmettre en deux temps et le ballon est récupéré par les Toulonnais, donc pénalité. Il est dans l'axe et vous sortez là-bas. Il est dans l'axe et vous première sortez. Démonstration de force du PAC toulousain sur cette mêlée fermée. Ouais, il y avait eu tout à l'heure un effort des Toulonnais qui n'était pas parvenu à mettre complètement en difficulté les Toulousains. Là c'est la réponse avec regardez cette mêlée dominatrice et la première ligne toulonnaise qui va se relever. Les troisième lignes se détachent. Une pénalité logique sifflée par Monsieur Poit. On ne prend pas les poteaux parce que c'est trop loin. On choisit d'avancer avec un lancer à suivre à l'entrée des 22 mètres du rugby club toulonnais. Et revoici les Toulousains dans les 22 de Toulon. Toulon, meilleure défense de ce top 14 qui a encaissé très peu d'essais. Vous voyez, avec celui d'aujourd'hui, 20 en 23 matchs, mais de nouveau menacé par les attaques toulousaines. Le lancer, Christopher Tolofur. Il était remplaçant au Stade de France la semaine dernière. Le voici titulaire aujourd'hui à une semaine du choc au Munster. Il trouve Romain Milo-Schlusky. Les Toulousains s'organisent en ballon porté et avancent dans les 22 de Toulon. Maintenant, il va falloir écarter. Doucin va rester avec les gros, il va rester avec le Fidjien, Akapusi Kera, qui charge, qui échappe à Rousseau, qui lui arrache le casque. Kera qui avance dans les 22 mètres de Toulon. Doucet joue le côté fermé, où se trouve Picamol et Tecori. C'est pour Picamol qui résiste à un, deux, trois plaquages avant d'être bloqué à 5 mètres de l'embut de pas. Toulon. Le 4 ou le 5, monsieur qui vient effondrer ici. Et retour sur le mol écroulé par les Toulonnais. Pénalité pour Toulouse. Ballon porté par les Toulousains. On écroule de manière illicite côté Toulon et pénalité. Regardez ici, vous avez vu, c'est Jocelino Souta qui est pris par monsieur Romain Poit. Et ici, toujours ces duels hein, avec Kera qui tient debout, qui sera plaqué par Fernandez Liobé. Et encore une fois, la charge de Picamol qui résiste à 1, 2... trois plaquages finalement stoppés. Et encore une fois, Hermitage qui était là en position de gratteur. Mais on était sur une situation d'avantage. Guinoves qui a laissé au repos Gaël Ficou, Johan Maestri, Maxime Médard, qui a ménagé McAllister, touché au dos, ou Clément Poitrenaud. Et Lionel Boxis qui a juste une belle pénalité du bord de la touche qui passe entre les perches et qui porte l'avance du Stade toulousain. À 10 pour Toulouse, 3 pour Toulon. En compagnie de Guinoves, Guy, super début de match de la part de votre équipe. Sans dévoiler tous les résultats de cette journée, on s'est aperçu que Bordeaux s'était imposé, que le Racing s'était imposé également. Vous avez davantage de pression sur ce match aujourd'hui? Non, je me fous des autres là, vous voyez, je regarde le match. J'essaie d'être concentré dessus et on parlera des résultats des autres un peu plus tard. Et votre début de match? Le début de match, oui. En ballon. On reste avec de l'enthousiasme que l'on a actuellement. On a eu la chance d'être un peu efficace, mais...
ça va être compliqué de tenir jusqu'au bout comme ça. Merci Guy. La semaine dernière à Paris, c'est le Stade français qui avait fait la course en tête et Toulouse avait réussi à revenir au score. Pour l'instant, c'est Toulouse qui a pris le score ici à Marseille, alors que Stéphane Armitage est plaqué. Thiusbord joue sur le côté fermé où se trouve Fernandez Lobé. C'est un peu gêné avec Burden. Les Toulonnais assurent la conservation de ce ballon. Thiusbord, Suta. Très agressif au plaquage les Toulousains, alors que Dany Rousseau l'a pris lui aussi. Thiusbord peut écarter sur Frédéric Michel qui cherche une solution. Et oui, bien joué. Michel pour Mermoz, c'est bien fait. Maxime Mermoz qui s'échappe. Il parvient, mais il ne le rattrape pas. Et Maxime Mermoz marque lui aussi entre les poteaux. Le premier essai de Toulon dans ce match. Et au quart d'heure de jeu, la réaction des Toulonnais avec Frédéric Michalak. Parfait déclencheur dans cette action. On voit le jeu debout avec une première avancée ici signée Rousseau. Et regardez le travail de Michalak qui va naviguer la fin de passe, fixer deux joueurs, transmettre à Drew Mitchell venu en soutien intérieur qui ensuite redonne à Max Mermoz venu en soutien pour la conclusion. Après le tournoi destination, le top 14 se réveille et nous offre une avalanche de beaux matchs de rugby. La semaine dernière et aujourd'hui encore, après la victoire du Racing cet après-midi à Jean-Bouin face au Stade français, c'est parti fort, très très fort, entre Toulon et Toulouse. Deux essais et la transformation à suivre pour Frédéric Michalak qui peut mettre les deux équipes à égalité. C'est fait, Toulon 10, Toulouse 10. Et Bernard Laporte installé dans la loge de Margarita Louis-Dreyfus. Il n'est même pas aux côtés de son staff comme habituellement. On vous l'a dit, sa suspension est provisoirement levée par la saisine du comité olympique et sportif français. Et il a pu apprécier l'essai de Mermoz. Pour être complet, hein, sachez que le CNOSF réunira tous les acteurs de cette affaire jeudi prochain, donnera un avis qui ne sera qu'une proposition que la Fédération française de rugby pourra ou pas accepter. Attention, ça n'a pas fait 10 mètres ce renvoi. Et si jamais sa sanction n'était pas réduite, eh bien Bernard Laporte pourra continuer ses actions, notamment devant le tribunal administratif. On rappelle que de 13 semaines, la sanction a été portée à 16 semaines. Mais aussi, alors qu'il regarde les images sur le grand écran de la loge, l'interdiction de communiquer pendant le match avec son staff ou ses joueurs, Jacques Delmas, Pierre Mignoni en l'occurrence. Feuilleton à suivre. Regardez le portable, mais Bernard Laporte n'est pas au bout du fil. Allez, c'est un sacré match ce soir. En direct sur Canal pour clore cette 23e journée du top 14 que l'on poursuivra évidemment avec tous les résumés de jours de rugby dans la foulée et ceux de la Ligue 1 de jours de foot. La mêlée toulonnaise se reprend. Avance. Ils vont chercher une pénalité et l'obtenir. Et ils l'obtiennent. Il y a une explication aussi dans ce secteur de la mêlée fermée. Thiusbord félicite ses gros et le capitaine Fernandez Lobé demande à Michalak de l'attendre. On rappelle Thomas Lombard, donc petite pointe à la cuisse légère ressentie par Johnny Wilkinson à l'entraînement cette semaine. On n'a pas évidemment voulu prendre le risque de l'aligner dans la perspective du choc en quart de finale la semaine prochaine à Mayol contre les Irlandais du Leinster qui sont peu ou prou le voici Johnny dans les tribunes ici aux côtés de Benjamin Noirot et la belle casquette. De nous soutenir évidemment ses partenaires. A priori, Wilkinson sera en état de jouer pour rassurer les supporters toulonnais. Et il en est de même d'ailleurs avec Luc McAllister hein, du côté de Toulouse, où les deux maîtres à jouer, en tout cas les deux dépositaires du numéro 10 sont pour le moment. Michalak, la passe. Oui, ça passe. Et Toulon, pour la première fois dans ce match, prend l'avantage au score. Toulon 13, Stade Toulousain 10. Très important pour Toulon en ce début de match. Fred Michalak, c'est lui qui intervient de manière décisive sur l'essai de Maxime Mermoz. Et lui qui permet à Toulon, là, sur cette pénalité, de reprendre l'avantage au score. Apprivoisons le vent tourbillonnant dans le vélodrome. Sur ce renvoi, Nyanga vient essayer de perturber les Toulonnais, mais ils assurent ce ballon. Jouez le ballon ! Thiusbord se charge lui-même, ça a été contré. Doucet, sous la pression de Fernandez Lobé, le capitaine toulonnais, se démène Jean-Marc Doucet pour essayer de conserver ce ballon. Il le fait. Et Tolofua prend l'axe, passe après contact à Picamol. Picamol va-t-il réussir à emporter Stéphane Armitage? Non.
passé par le sol. Doucet sur le fermé se trouve Tolofua. Tolofua résiste à Tiusbord. En avant. Sifflé par Monsieur Poite. Et les Toulonnais donc ont repris le score. Après ce gros match, hein, perdu de peu la semaine dernière à Clermont, 22 à 16. Clermontois intouchable à domicile. Toulon leur a résisté. Et on sent hein, que Toulon, que Toulouse monte en puissance à l'approche des quarts de finale de la H-Cup. Alors que Yannick Nianga, qui avait donc été touché aux adducteurs avec les Bleus contre le Pays de Galles et qui revient aujourd'hui, et pour la deuxième fois aux soins. Il s'est fait mal en retombant sur le coup de pied de renvoi. Il monte au ballon, regardez ici sur cette image, et en retombant, il va peut-être se tordre la cheville, en tout cas se blesser sur cette action. Mais c'est extrêmement féroce hein, sur les zones d'affrontement et les phases de contact. Les blessés toulousains, hein, donc notamment Luc McAllister touché au dos. Thierry Dussautoir, qui était l'invité exceptionnel et spécialiste hier, espère revenir dans un petit peu moins d'un mois. Et pour Kakovin, Ralepele ou Lambolé, la saison est terminée. Guinovès Fémine d'être très inquiet pour McAllister pour la semaine prochaine. Espérons que le dos du All Black pourra lui permettre d'être aligné contre le Munster, alors que l'infirmerie toulonnaise s'est remplie encore. Donc on vous a parlé de Wilkinson, mais Ali Williams, le deuxième ligne All Black, s'est aussi blessé cette semaine et a rejoint Castro Giovanni, Bruno Sheridan, Bakis Botha, Mazoé ou Van Niekerk à l'infirmerie. Botha qui sera aussi trop court pour jouer contre le Leinster la semaine prochaine, puisqu'il n'a pas rejoué depuis sa fracture. Michalak. À d'avant de Mitchell dans ses 22. Faute de main problématique pour les Toulonnais, car cela va offrir une magnifique mêlée plein axe du terrain aux Toulousains. Ils ont voulu décaler le jeu et offrir une solution de sortie avec le pied de Mitchell. Malheureusement, le ballon n'est pas contrôlé. Du coup, ça donne une mêlée très dangereuse avec une introduction pour les Toulousains. Il y a les statistiques de possession hein, largement en faveur du Stade Toulousain. 61% des ballons. Alors, regardez cette mêlée sous le poteau de Toulon. Deux options d'attaque de chaque côté de cette mêlée. Le trouble pour les défenseurs toulonnais et l'introduction pour Jean-Marc Doucet. Première ! Sors ! Seconde ! Flexion. Lié. Chef ! L'effort des Toulonnais qui récupèrent le ballon. Oh là là, quelle mêlée toulonnaise pour récupérer ce ballon sur introduction de Toulouse et pouvoir se dégager. Le rebond qui pourrait piéger Yann David. David Smith saute, personne ne contrôle ce ballon. Et finalement, il ressort pour les Toulousains. Vite exploité, là aussi sur les extérieurs, avec l'ancien All Black. Aussi Aguirre qui élimine Drew Mitchell, qui résiste à des non-arbitres. Qui est repris par Burden. Beau mouvement de Guire, mais quelle mêlée de Toulon dans ses 22. Attention, Thomas, ça joue vite ou non. Pas non. On a voulu jouer vite, on va revoir la mêlée hein, qui va permettre aux Toulonnais sur une très belle poussée, notamment de l'axe gauche autour de Tchoki, de récupérer le ballon. Sur le ballon qui est dans un premier temps talonné par les Toulousains et gagné sur la poussée par les Toulonnais. Lancé Craig Burden, déviation de Rousseau sur Tiusbourg. Stéphane Armitage. Bastaro, pardon, parce qu'on les confond. Hein. Il n'aime pas ça, Mathieu Bastaro. Mais c'était bien Stéphane Armitage. Johan Ugé. Restaurant noir, s'il vous plaît. Ugé dans les bras de Michalak. Frédéric Michalak. Sert Fernandez Lopez. Oups, gros plaquage de Yann David sur le troisième ligne argentin. Tiusbord. Allez, épaulé par Bastaro, par Tchoki. Mathieu Bastaro s'est saisi de ce ballon, essaie d'avancer. Il est repoussé par Miloszewski. Le ballon ressort pour Tiusbord. Michalak va aller jouer au pied dans le camp de Toulouse. Dans le dos de Vincent Clerc. C'est bien fait, c'est bien tapé. Hop, hop, hop. Il a sauvé la touche in extremis Vincent Clerc. Même si ça méritera le ralenti de nos caméras, l'arbitre de touche
à vitesse réelle. C'était pas facile pour lui. David Smith a joué vite. On n'a même pas le temps de lancer les ralentis. Delon Armitage. Delon Armitage qui avait un trou. La passe magnifique pour Stéphane Armitage. Intérieur David Smith. L'accélération, le sprint. Le gros plaquage aussi sur David Smith. Topé à 5 mètres. Thiousbourg qui écarte immédiatement ce ballon pour la percussion de Dany Rousseau qui est repris sous les poteaux du Stade Toulousain. Nouvelle occasion d'essai pour Toulon. Thiousbourg réclame ce ballon. Il le sort, il l'écarte. C'est la charge de Johan Smith, le champion du monde sud-africain. Mais elle est ouverte sur les poteaux de Toulouse. Et les Toulousains se sont replacés. Il va falloir redonner au prêt. Stéphane Armitage qui avance, qui se rapproche de la ligne. Les Toulousains qui essayent de contester ce ballon. Mais il va ressortir pour Thiousbourg. Pénalité. Avantage en cours. Thiousbourg peut le jouer avec une longue passe sautée jusqu'à une interception. Et M. Fouat va revenir à cette pénalité et arrêter le jeu. Ah, c'est pas vous, c'est qu'on vient tirer le relayeur qui va pour prendre le ballon dans le roi. Et il y a l'arbitre de touche qui a. Ici, le deuxième avantage ici. Qui a vu quelque chose. Allez, du temps, pardon. Avec un énorme plaquage de Yann David qui s'était blessé sur l'action précédente et là il est au soin dans l'embut. Ouais. D'accord. Tu as ta recommandation. D'accord. Uniquement coupé pénalité. J'ai un avantage plus bénéfique sous les poteaux. Tu vas aller là-bas, mais j'avertis le 15. Ça change pas. Je pense que c'est quand UG reprend David Smith, ouais, qu'il y a un plaquage limite, on va dire. On le revoit. Regardez ici, plaquage, voilà. Où il va, 15, il va attraper David Smith au niveau du col et du coup ça donne un plaquage très spectaculaire. Oui, vous êtes 15. 1, 5. Ah, et au départ, l'action qu'on va revoir. Il y a un deuxième avantage sous les poteaux pour le relayeur qui est pris alors qu'il allait prendre le ballon dans le rock. Donc pénalité ici, juste un avertissement vert. Là vous l'attrapez en haut, d'accord. On revient à l'avantage ici. C'est pas mal la caméra arbitre pour être au plus près des discussions entre M. Poit et les joueurs. Alors pénalité en très bonne position pour Toulon. Fernandez-Lobé va évidemment demander les 3 points. On aura peut-être le temps de voir aussi cette relance de Dylan Armitage. Il y a une passe magnifique. Ici, là. Voilà pour. Vite, attention, Michelac. Bon, ben Michelac, il a mis la pénalité. Et cela fait 16 à 10 pour Toulon. On la revoit ici, la pénalité de Fred Michelac. Et sur la même action précédemment, on a 3 gros plaquages de Yann David à signaler. Gros match de top 14. Et Toulon, qui était mené 10 à 3, mène maintenant 16 à 10. Après un départ en fanfare des Toulousains. Renvoi, box 6. Récupération Suta pour Toulon. Ballon au chaud dans les bras de Fernandez Lobé. Michalak, Smith, Johan Smith. Le joueur glisse, il n'y a pas de problème. Perdu sa chaussure. On reste à l'intérieur, les gars. Au contact et Michalak qui va aller occuper le camp. Toulousain, UG. Sortez, Noir, sortez. Chandelle de Johan UG, il sera dessous, mais Dylan Armitage aussi, qui devance à l'arrière toulousain. Bien joué de la part de Dylan Armitage qui remet son équipe. Extérieur, il y a le quoi centre jouer. De l'avancée. Burden pour Suta. Suta qui hésite, qui finalement donne à Michalak. Michalak, c'est bien joué pour Mathieu Bastaro. Stéphane Armitage, pardon, décidément. Et le renversement d'attaque, alors que Dylan Armitage est au sol, blessé, que Tchouki percute plein champ. Faut c'est sortir des autres libérations du ballon. Que vous voyez au soin en haut de l'écran. Michalak pour Fernandez Lobé. Fernandez Lobé avec Smith Armitage. Stéphane Armitage plaqué par la défense toulousaine. Une demi-heure de jeu, 2 essais, beaucoup de rythme dans ce match. Et Michalak qui repart avec cette passe pour Burden. Qui essaye de contourner Fritz, qui est plaqué par Nyanga. Et un contest de Florian Fritz. Il va être récompensé par Monsieur Berdos, par Monsieur Poit, autant pour moi. Là, à un peu plus de 50 mètres des poteaux toulonnais. Et John Smith va en profiter pour récupérer sa chaussure qui s'était échappée. Sur l'impact tout à l'heure. Wow, quel rythme pour les joueurs qui ont peu joué ces derniers temps, comme Fritz notamment. Il va falloir tenir. Il y a une qualité d'un côté comme de l'autre dans la redisposition défensive qui fait que les équipes ont du mal à trouver des situations de débordement. Donc on est obligé à un moment d'aller affronter la défense. Alors, Dylan Armitage est touché là, dans les 22 mètres. Et Brian Labana est en train d'accélérer son échauffement. D'accord. Au cas où.
Alors prend-il sa place à l'arrière de Toulon, oui. Et Joan Smith, lui, se rechausse. Ah, en plus, il y a le multi-haut. Je vais en profiter. Si on a une bonne structure, on a le temps. Ça commence à partir. J'en profite juste avec Jacques Delmas. Belle réplique de la part de votre équipe, notamment en s'appuyant sur une très belle conquête. Ouais, façon de parler, parce que je crois qu'on fait une mauvaise entame, on rentre pas bien dans le match. On perd deux ballons en touche. À mêlée, on se fait prendre un petit peu. Donc, on a subi aussi un petit peu de pression, parce qu'on est franchement pas bien rentré dans le match. Là, on est en train de reprendre les choses en main. Dès qu'on arrive à avoir une conquête beaucoup plus propre, dès qu'on commence à avoir nos ballons, on est capable de mettre du jeu. Donc, à nous de tenir le ballon et de ne pas le rendre trop facilement. Mais je crois qu'on manque trop de premiers plaquages, on subit encore trop. Il faut qu'on aille encore plus les chercher. Merci. Intéressant ce lancer de Tolofua qui trouve Yannick Nianga, son capitaine, mais bien repoussé par la puissance du pack toulonnais. Les Toulousains vont-ils pouvoir enclencher la marche avant? Il va falloir libérer ce ballon maintenant. Doucet, ce sera pour essayer peut-être trouver un petit intervalle au ras de ce regroupement. Il est passé, il n'a pas été plaqué. Jean-Marc Doucet repris à 5 mètres avec Johnstone qui relève ce ballon pour Tecori. Tecori stoppé par le plaquage de Stéphane Armitage et de David Smith. Le ballon n'est pas franchi la touche, et pas terminé avec Kera. Kera repris sur la ligne toulonnaise. Temps fort du Stade Toulousain. On vient de passer la demi-heure de jeu. C'est Louis Picamol qui essaie d'y aller en force. Il est épaulé par le pack de Toulouse. Refoulé par la défense toulonnaise. Miloszewski laisse le soin à Doucet de organiser son équipe. Pénalité pour Toulouse. Non, et on va écouter M. Poit. Deuxième maul dans la même zone. Deuxième fois que le 5 se laisse glisser sur le côté et vient plaquer le porteur du ballon sans être entré par la porte. C'est la deuxième fois, il faut lui parler. Le 5, c'est Jocelino Sutter. C'est ça qui avait écroulé déjà tout à l'heure, un ballon porté. Et qui recommet ici la même faute. On va prendre la touche côté toulousain. Allez les gars, plus efficace. Plus vite en activité. Allez. Ils sont forts sur les touches et les ballons portés, les Toulousains, près de la ligne de Toulon. Tolofua, lancé fond de touche, la déviation qui a failli être récupérée en fond de touche par un Toulousain, mais le ballon est pour les Toulonnais et c'est un ballon important gaspillé par Toulouse près de la ligne toulonnaise. Prise de risque des Toulonnais qui ont mis un bloc de saut sur une pénalité sur une touche à 5 mètres. Vincent Clair. Hop. Chassé, pris par David Smith. Doucet a voulu aller jouer sur le fermé, il a lâché ce ballon. Court pour les Toulonnais, ballon gratté. Non, avant d'avant. Et c'est un avant de Doucet. Et Stéphane Armitage est blessé là dans le camp toulonnais. Arrêt du temps. Ah, demande vidéo, monsieur Poit. Jean-Pierre, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux vérifier si un joueur rouge, notamment le 6, rouge au sol, ne commet pas un en avant délibéré lorsque le 9 noir veut se saisir du ballon, s'il te plaît? Non, c'est M. Pellaprat qui va juger. Est-ce que Doucet a été gêné volontairement par Joan Smith alors que l'on voit ici Stéphane Armitage se faire soigner, Thomas? Ici, regardez, il va y avoir un grattage de Smith. Voilà, ici au moment où Doucet veut se saisir du ballon. Ma décision, Jean-Pierre. You hit the ball, you was in offside. Il va pénaliser. Il y a pénalité contre le 6 rouge. Il va mettre une pénalité contre Joan Smith. Parce qu'il considère qu'il est en position de hors-jeu. Le 6 qui tape le ballon. Et qui tape le ballon. Hors-jeu quand le 9 prend le ballon. Et M. Poit, qui conformément aux nouvelles dispositions, est allé regarder sur l'écran géant du stade Vélodrome pour se faire sa propre opinion, sans avoir finalement recours à l'arbitre vidéo. Et décidé d'accorder cette pénalité au stade toulousain que va tenter Lionel Boxis. Alors que Jean-Baptiste Elissalde. Pardon, monsieur. Et Guy Noves donne quelques consignes à Picamol. Signe clair face au vent d'autant qui souffle sur Marseille ce soir. Lionel Boxis
Bien tapé. Oui, ça passe. Et Box 6 réduit le score. Toulouse n'est plus mené que 16 à 13. Michalak. Picamol attend ce ballon. Résiste au plaquage de Burden. Mol ! Le ballon était sorti. Hop ! Picamol qui a. Ballon sorti, repris en position de hors-jeu. Montrer ses fesses au public du vélodrome. Ballon sorti, repris dedans, vous êtes en position de hors-jeu quand vous rejouez. En plus, vous êtes au sol, monsieur. Le ballon était sorti. Et en plus, a commis une faute sanctionnée d'une pénalité. Allez, vous pouvez revoir les images. Il n'y a pas que les fesses de Picamol, mais aussi les deux essais inscrits. Le premier par Doucin, le deuxième par Mermoz sur la Canal Rugby App. Sous tous les angles de ce magnifique stade Vélodrome. Et une des conséquences de l'engagement féroce qu'il y a sur toutes les phases de ruck, c'est que les pénalités sont en train, le nombre de pénalités est en train de grimper. Merci. 5 minutes de la fin de cette première période. Frédéric Michalak qui est à 100%. 4 tentatives, 4 réussites. Ala peut-être la plus difficile à taper depuis le début de ce match. Presque en bord de touche. C'était pas mal tapé, mais le vent pousse ce ballon au ras du poteau. On en reste à 16 à 13 pour Toulon. À moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Toulon qui avait perdu de très peu au match aller, Ernest Vallon, 13 à 12. Les pénalités derrière, Michalak avaient permis aux Toulonnais de mener 12 à 0. Toulouse était revenu dans le match, avait repris le score et dans les derniers instants, Wilkinson avait manqué une pénalité en drop. Toulouse s'en était sorti d'extrême justesse. 7, 7. C'est parti pour être serré ce soir aussi au stade Vélodrome. Ballon toulonnais. Kiusbord pour Frédéric Michalak. Michalak Rousseau. Bastaro qui s'engage, qui est bien repris par David. Il n'a plus donné après contact. Gros plaquage sur Smith. Gros plaquage. Encore. Quelle intensité depuis le début de ce match. Hughesbourne, non, c'était sans interdit. Repart dans le corps. Ah, et la remise intérieure de Michel Lacour. David Smith qui a échappé à Tekori. Hughesbourne. Michalak pour Drew Mitchell. Mitchell stoppé net et renvoyé dans son camp par un bon plaquage de Doucet. Le ballon est toujours pour les Toulonnais avec la percussion de Danny Rousseau alors que Sensus Johnstone, le pilier droit toulousain, est au sol et que les Toulonnais sont sanctionnés dans ce rang. Attention, Johnstone. On va le garder au sol. Pilier droit et joueur clé du pack toulousain qu'il serait entre guillemets dramatique de perdre à une semaine d'un quart de finale de Coupe d'Europe au Munster. On va avoir l'action avec. D'accord. Ici peut-être la blessure. Il y a, en tout cas, il y a un choc entre l'épaule de Christopher Toulofoa et le visage de Sensus Johnstone ici au sol. Alors c'est une image importante pour le Stade toulousain que cette blessure de Sensus Johnstone. C'est Johan Montes qui est sur le banc des remplaçants. Je vois que le kiné se retourne et demande le changement. Un changement. Il y a Montes à faire son entrée. Voilà, il demande une commotion. Et on prend toutes les précautions, hein. Vous le voyez, on a une position de sécurité pour Johnstone. Je suis de cast après-midi à Jean Bouin pour le numéro 8 du Stade français, l'Argentin Macomé. C'est ici, regardez, il plaque et là, voilà, il va se heurter ici sur l'épaule et à moitié le visage de Christopher Toulofoa. Du coup, ça va entraîner voilà, ce petit chaos. Et Picamol et les Toulousains réclament la civière hein, pour évacuer leur pilier droit samoan. Alors que Johan Montes, auteur de l'essai, qui a sauvé Toulouse à la dernière seconde au Stade de France la semaine dernière, s'apprête à rentrer.
Alors on va prendre des précautions d'usage pour un joueur touché. C'est-à-dire civière et probablement Minerve pour préserver les cervicales. Et c'est le pilier droit titulaire de l'équipe du Stade Toulousain, Sensus Johnston. D'où les visages soucieux de l'encadrement Toulouse. Donc Johan Montes entre en jeu pendant ce temps et vient aussitôt aux nouvelles de son partenaire. Thomas, ce serait une... On espère que ce n'est pas sérieux pour Johnston et qui, on a vu, s'est heurté à son partenaire Tolofua. C'est la pierre angulaire de la mêlée de Toulouse là, qui est blessée. Oui, très clairement. Ça serait effectivement une perte très très lourde pour les Toulousains. Bon, on ne va pas préjuger de l'état de santé de Sensus Johnston. Jean-Baptiste, il faut trois sapeurs-pompiers. Il appelle Yannick Nyanga pour donner quelques consignes pendant ce temps. Il n'est pas comme son père, il n'aime pas les caméras, Jean-Baptiste. Alors, Sensus Johnston, donc évacué. Guinovès inquiet. Il sera évidemment d'avoir le plus vite possible quelques nouvelles du pilier droit samoan. Mais évidemment, cela n'augure rien de bon, même si la blessure n'est pas forcément sérieuse. Toutes les précautions sont prises et le public toulonnais l'applaudit. Ce qu'on voit sur l'image, c'est qu'il y a quand même, il semble-t-il, une hyperextension au niveau de la tête, donc peut-être les cervicales. Et ça, c'est toujours très embêtant. Reprise du temps en ballon gardé au sol. Et le jeu reprend avec cette pénalité en faveur de Toulouse, box 6. Trouve la touche dans les 40 mètres toulonnais. Et donc, dès que possible, on vous donnera des infos sur Sensus Johnston. En espérant évidemment que tout aille bien pour lui. Un alignement réduit par les Toulousains. Tolofua, Nyanga. 3 minutes ballon encore subtilisé. Dans cette période. Ballon récupéré par les Toulonnais qui joue avec Stéphane Armitage, Michelac, Mermoz, Maxime Mermoz qui repique vers l'intérieur, qui échappe à Boxis, qui est pris par le demi-d'ouverture toulousain. Le ballon est pour Tiusbord qui insiste sur le côté fermé en sautant Bastaro pour servir Smith. Johan Smith, percussion du Sud-Africain plaqué par Fritz. Tiusbord, Michelac, Armitage, Stéphane Armitage mis au sol par David. Le ballon est toujours pour les Toulonnais. Tiusbord, Michelac qui prend la direction du fermé. C'est le coup de patte du demi de mêlée de Toulon et qui sort en touche. Dans les 40 mètres de Toulouse. 16-13, 2 minutes à jouer dans cette première période. Et pour Sensus Johnston, on est allé faire le protocole commotion. Il ressentit une petite douleur dans le bras également. Dû au choc sur les cervicales. Philippe, on compte sur vous à la mi-temps pour aller aux nouvelles. Le lancer de Tolo Fua qui finalement trouve Técori. Les Toulousains ont mis la main sur ce ballon. Doucin va aller jouer au pied dans le camp de Toulon. Vincent Clerc va contester dans les airs, devancé par David Smith qui a échappé ensuite à deux plaquages. Tiusbord, Michelac, le ballon à jouer. Sur les extérieurs se trouve Dylan Armitage. Dylan Armitage pour Mathieu Bastaro. Bastaro qui essaye de défier Fritz, qui amène Fritz sur quelques mètres. Libération rapide pour Tiusbord. C'est Johan Smith qui arrive lancé, qui rebondit sur Tolofua. Les Toulonnais dangereux pour la dernière action peut-être de cette première période. Frédéric Michelac qui évite un plaquage, qui a réussi à transmettre après contact. Mais Tiusbord va se retrouver sur la pression de David. Il a quand même pu donner à Michel. Michel qui s'arrache, qui s'échappe, qui trébuche. Il en a marre de Michel. Et qui lâche ce ballon. Alors qu'il avait une belle occasion d'essai, l'Australien. Voilà encore un joueur, Andrew Michel, qui est... Depuis qu'il est arrivé à Toulon, à chaque match, on entrevoit une progression, une montée en régime de l'ancien international australien. Et c'est au tour de Gurtro Steenkamp de ressentir une douleur à l'épaule gauche. Les piliers toulousains
en difficulté physiquement. Oui, on a vu ça hier soir avec les piliers de Brive aussi, une hécatombe à ce niveau. Aujourd'hui, c'est Toulouse qui est touché. Et on voit Mitchell qui malheureusement perd le contrôle du ballon au moment du passage par le sol, mais belle action en tout cas. Explication de Romain Poit auprès de Fernandez Lobé. Allez, on revoit la fin de cette action. Andrew Mitchell qui échappe à Doucin. Perd les appuis. Et là, vous voyez, au moment où il passe par le sol, le ballon qui est... qui a continué un petit peu sa course. Qui est perdu en avant. D'où cette mêlée. Allez, une belle percée de Mitchell. Il a super loupe. Le maillot. Il est solide le maillot, mais il a bien résisté à la main de Doucin qui l'a grippé. La sirène qui a retenti. 16-13. Flexion. Lié. Je. Poussé avant l'introduction des Toulonnais. De ce coup franc. Oui, c'est la mi-temps. Ça sent la mi-temps. Voilà, mi-temps sur ce score. 16-13 en faveur de Toulon, un essai de